Le football, c'est quand même un sport que j'adore. C'est même mon sport préféré. Quand j'ai commencé le foot, j'ai commencé en 3ème ligue, ensuite je suis allé en 4ème ligue, ensuite je suis descendu en 5ème ligue. La 5ème ligue, c'est la ligue la plus basse. Et je sais pas pourquoi, je suis sûr que s'il y avait une ligue encore plus basse qui existerait, et ben j'y serais. Et c'est pas que je suis nul au foot, hein. C'est juste que je suis pas très bon. Vas-y, Carmine, marque! Tu te fous de ma gueule? T'es une grosse merde, mec. Je sais, mec. Ce que j'aime bien dans les grandes ligues, comme on connaît tous, Barcelone, Juventus, Real de Madrid, etc., c'est que eux, s'ils tirent un ballon hors du terrain, t'as toujours des mecs pour leur ramener la balle. Tandis que nous, dans les petites ligues, si on tire un ballon hors du terrain, t'as personne pour nous la ramener. Hein. Et en plus, c'était la seule balle qu'on avait. Qui c'est qui veut la balle? La balle! Passe la balle! Passe-lui pas la balle! Excusez-moi les gars! Et dans ces cas-là, c'est au tireur d'aller chercher la balle. Ça, c'est une règle qui existe depuis des milliers d'années. Bon, après, t'as toujours un qui enfreint les règles et qui dit: ouais, c'est bon les gars, je vais chercher la balle. Ok, ça cool, marche, merci. Mais par contre, la prochaine fois, même si je la tire, vous allez la chercher. Compris? Ouais. Ok, ça marche, mec, merci. Eh, t'as compris ce qu'il a dit, Carmine? Bon, quand lui va chercher la balle à ta place, ça va, parce que tu l'as shooté genre 10 mètres. Mais quand c'est à ton tour d'aller chercher sa balle, lui, tu peux être sûr qu'il va la shooter à 50 km. Ouais, les gars, c'est à vous d'aller prendre la balle par contre, hein. Mec, t'as déjà tiré la balle par-dessus le grillage. Ouais. Mais elle est où la balle? Là-bas. Laisse tomber! Puis on a tous vécu ce moment où t'as la balle qui atterrit dans un champ et tu sais pas où elle est. Et dans ces moments-là, t'as toujours un mec qui va regarder où est-ce que la balle elle est tombée pour dire à celui qui va aller la chercher où est-ce qu'elle est plus ou moins. À gauche! Où là? Non, l'autre gauche! Mais j'ai déjà regardé là! À gauche! Mais putain, je la trouve pas la balle! À gauche! Ah, j'ai trouvé les gars, c'est celle-là! C'est où? À gauche! Moi, la pire chose qui m'est arrivée, c'est qu'une fois, j'ai shooté ma balle dans une rivière et que j'ai rien pu faire pour la récupérer. Carmine, à toi! J'ai... Non! Carmine, Wilson, arrête. Non! Carmine, non! Carmine, c'est bon! Wilson. Carmine, arrête! Wilson! Wilson! Pas grave. Désolé, Wilson. Pas grave, c'est bon, viens. Excuse-moi. C'est bon, viens, Carmine, viens. Excuse-moi, Wilson. Il y a un truc que j'ai remarqué dans les petites et les grandes ligues. Dans les grandes ligues, quand t'as le mec qui va marquer un but, il va célébrer ça avec les supporters, tu vois. Tandis que dans les petites ligues, quand un mec qui marque un but, des fois il va célébrer ça. Mais le problème c'est que dans les petites ligues, des fois, t'as personne, t'as pas de supporter. Ouais, passe. Mais bon, je trouve ça important les célébrations. En plus c'est tellement beau et t'as tellement façon de célébrer un but. Bon, la pire des célébrations qui existe pour un mec qui a marqué le but, c'est une mêlée. Hein, quand t'as tout le monde qui veut se jeter sur toi, là, limite tu fuis. Les gars, on fait une mêlée! Quoi? Non, les gars, s'il vous plaît, non, pas ça! Les gars, c'est super. Je termine.
Et en parlant de célébration, il y a un truc que j'ai jamais compris. Des fois, quand t'as des mecs qui mettent des buts incroyables, les gens qui voient ça, ils applaudissent simplement ou ils sortiennent, tu vois, ils exultent pas trop. Mais attends, mais je t'ai pas déjà passé toi? Ah mais moi je suis jumeau de l'autre. Ah ok, vous êtes jumeaux. Allez, je me disais que vous avez un... comme un air de... Enfin bref. Pas mal. Tu dis que t'as un mec qui fait un petit pont à un autre, là ils exultent comme si c'était le truc du siècle. Oh, 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 oh. Et voilà, ma vidéo est finie, j'espère que vous l'avez appréciée. En tout cas, n'oubliez pas de la partager, de la liker, etc., etc. Je remercie toutes les personnes qui sont abonnées à moi, vous êtes quasiment 14 000 abonnés. N'oubliez pas d'aller sur ma page Facebook, Biancaniello Carmine. Et vous pouvez également me suivre sur Instagram, CarmineItalia92, c'est simple. Et n'oubliez pas, la chose la plus importante dans le foot, c'est le fair play. Ciao. Mec, tu l'as déjà tiré. Attends, je commence. Mec, tu l'as déjà tiré par-dessus les grillages. Commence. Allez-y, c'est bon. C'est un peu... C'est bon, les gars. Putain. Avance pas. Vas-y, Carmine, marre. C'est notre seule chance, Carmine. C'est notre seule chance. Wilson, non. Ah, et pour les gens qui sont dans la région de la Broye, si vous voyez mon ballon Wilson, est-ce que vous pouvez me le ramener s'il vous plaît? Ce serait gentil.